pays ferait bien de s'inspirer. La divulgation de ces informations au public, ce que nous faisons avec son argent, fait que de plus en plus de gens ont confiance en nous. Je pense que cela va nous aider à gagner davantage de soutien de ceux qui ici croient en ce gouvernement. Et aussi celui des pays donateurs qui nous aident déjà. En 2011, le FMI, la Banque mondiale et l'Union européenne ont salué l'efficacité de l'autorité palestinienne. Les résultats sont là. En 3 ans, le déficit a été réduit de moitié et la Cisjordanie affiche un taux de croissance de 8%. Une bonne gouvernance qui devrait permettre à la Palestine d'intégrer pleinement le concert des nations. Malgré le mur de sécurité construit par les Israéliens, le pays s'apprête à accueillir davantage de touristes et de pèlerins. À Bethléem, des hôtels 5 étoiles ouvrent leurs portes. Voici la suite présidentielle. C'est normalement pour les VIP. Entrez, voici le salon. Bien sûr, je suis persuadée que le nombre de pèlerins va s'accroître lorsqu'ils se sentiront en sécurité dans un État indépendant. Et surtout, après la levée des barrages et des restrictions que nous impose l'occupation, ce qui empêche les gens d'arriver chez nous. Je suis sûre que ce sera mieux. Dans cette nouvelle Palestine, personne n'oublie la réalité de l'occupation. La lutte pour l'indépendance continue, mais elle prend de nouveaux chemins. Ces inspecteurs du ministère de l'économie traquent dans les magasins les produits fabriqués dans les colonies israéliennes. Une nouvelle loi palestinienne les interdit à la vente. C'est l'arme du boycott. On l'appelle ici l'intifada blanche. Voyez ce produit. Avant, c'était la même boîte et elle provenait des colonies. Maintenant, les Israéliens ont mis une nouvelle marque pour faire croire que c'est produit ailleurs. Mais nous avons des doutes. Alors nous allons les confisquer pour vérification. Si nous trouvons un produit provenant des colonies, nous faisons un constat. Nous essayons d'abord de vérifier si le commerçant a été piégé. Mais si nous avons des doutes sur son honnêteté, il est traduit devant un tribunal et le procureur le juge en considérant qu'il a commis un délit de premier niveau. Avec le boycott, l'autorité palestinienne entend lutter contre les colonies israéliennes, mais aussi développer l'économie locale. Celle-ci vit encore presque exclusivement sous perfusion de l'aide internationale. Mais entre la théorie et la pratique, il y a encore de la marge. Comme les inspecteurs le constatent, le boycott est bien suivi dans les magasins de Ramallah. Mais ce commerçant excédé leur explique qu'il faudra bien plus pour favoriser le « made in Palestine ». Moi, je vais vous dire, je me suis associé à un investisseur pour monter un projet ici en ville. C'est impossible. Mais quelles difficultés avez-vous eues? Tout était difficile. Le prix du terrain, très élevé. Le matériel, très cher, si on voulait se fournir sur place. Est-ce que vous avez demandé l'aide du ministère? Parce que nous faisons tout pour aider les investisseurs. Mais nous ne pouvions même pas arriver jusqu'à vous. Comment vous joindre? Je vous donne ma parole que le ministère de l'économie va vous aider. Ce n'est pas rose, bien sûr, mais un air nouveau flotte sur la Palestine. À Ramallah, il n'y a plus de couvre-feu. Cette boîte de nuit à la mode accueille la jeunesse dorée. Ces Palestiniens parient sur l'avenir de leur pays. Ils l'imaginent moderne et démocratique. Les Palestiniens méritent un endroit comme celui-ci. Vous savez, la Palestine est dans le vent maintenant. Comme la plupart des villes d'Europe, des États-Unis ou n'importe quel endroit dans le monde. Nous sommes Palestiniens. Nous avons été éduqués à l'étranger et nous aimons revenir ici pour nous investir dans la société palestinienne.
Comme vous le voyez, c'est très éclectique ici. Il y a des Palestiniens venus de tous les horizons. C'est l'endroit où il faut être pour développer ses propres capacités. Pour ces jeunes, le rêve d'une Palestine indépendante n'a jamais été si proche. Mais attention au mirage. Ramallah n'est pas toute la Cisjordanie. Et la Cisjordanie ne représente qu'une partie de la Palestine. Il y a aussi la bande de Gaza. Un territoire de 40 km de long, adossé à la frontière égyptienne et fermé par des murs et des barbelés. 1,5 million de Palestiniens s'y entassent. Sur la carte, la bande de Gaza n'est qu'à quelques kilomètres de certaines villes israéliennes. Dans le sud du pays, des villes comme Sderot, Ashkelon, Beersheba sont régulièrement la cible d'attaques venues de Gaza. Gaza est dirigé depuis 4 ans par les islamistes du Hamas, l'un des plus farouches adversaires d'Israël. Nous sommes ici au commissariat de la ville de Sderot avec cette exposition un tout petit peu particulière, vous le voyez, cette collection des roquettes, il y en a des dizaines, qui sont tombées ces derniers mois et ces dernières années sur la ville. Ces attaques, elles font souvent des blessés, parfois des morts, et elles sont évidemment inacceptables. Mais il faut dire aussi que ces tirs palestiniens sont la conséquence des raids israéliens et du blocus imposé par Israël sur la bande de Gaza. Et pourtant, vous allez le voir, la majorité de la population à Gaza n'aspire qu'à une chose, vivre en paix. Mais elle est l'otage de la politique et de la violence. Le reportage est signé Katia Clarins et Valérie Lucas. C'est l'unique entrée vers Gaza depuis Israël. Et elle donne le ton. Un tunnel cage de près d'un kilomètre, comme une souricière géante. Le symbole de ce que subit la population de ce territoire depuis des années. Deux porteurs seulement sont autorisés à aller et venir dans ce tunnel. Ils accompagnent les rares visiteurs pouvant pénétrer le lieu. Bienvenue à Gaza, un confetti de 365 km² où se pressent plus d'1,5 million d'habitants. L'un des endroits les plus surpeuplés au monde. L'un des plus méconnus aussi. Gaza surprend par ses images. Gaza a 1000 visages. Mais l'opinion mondiale n'en connaît pourtant qu'un seul, celui de ses islamistes. Car Gaza, depuis 4 ans, est aux mains du Hamas. Après avoir gagné les élections en 2006, ce parti prend totalement le pouvoir à Gaza l'année suivante. Le Hamas, un farouche opposant de l'État d'Israël, contre qui il a multiplié pendant plus de 10 ans les attentats suicides. Depuis, le Hamas est considéré comme une organisation terroriste par Israël, les États-Unis et l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est la fin du Ramadan. La prière du matin achève le mois de jeûne. À Khan Younes, ils sont venus nombreux pour suivre le prêche, très politique, du premier ministre du Hamas, Ismaël Haniyeh. Si Dieu le veut, nous ferons la prière des prochaines fêtes sur l'esplanade de la mosquée d'Al-Aqsa, dans Jérusalem libérée, en Palestine, toute la Palestine. Le Hamas contrôle le territoire d'une main de fer. Et il aime le prouver avec des démonstrations de force. Oh.
Ce matin, la presse a été convoquée au quartier général des forces de sécurité. Il faut démontrer que ces hommes sont entraînés à mater toute révolte. Un professionnalisme que ne renieraient pas d'autres polices. Mais derrière les images officielles, il y a une autre réalité, beaucoup plus violente pour les opposants au Hamas. Cet homme, qui a requis l'anonymat, a séjourné plusieurs fois en prison. Il témoigne. Les plus dangereux, ce ne sont pas les policiers ou les gens qui travaillent directement avec la sécurité. Le Hamas a des yeux partout. Il t'espionne même à l'intérieur de ton bureau. À la minute où tu fais quelque chose qu'ils n'aiment pas, ils savent comment te stopper. Par exemple, tu te promènes dans la rue, une voiture s'arrête à côté de toi. Ils te font monter et ils te font passer ce message. Tu es entre nos mains, nous pouvons te tuer et te jeter n'importe où. Et personne ne saura que nous l'avons fait. Il y a beaucoup de cas étranges comme cela. Depuis la prise de pouvoir du Hamas, Israël a imposé un véritable blocus de la bande de Gaza. Le territoire, déjà cerné par un mur et des miradors, s'est vu imposer par l'armée israélienne une nouvelle zone tampon. Un no man's land de 300 mètres de profondeur, rasé par les bulldozers de l'armée israélienne, qui tire à vue sur quiconque y pénètre. L'objectif est de limiter les attaques du Hamas. Mais pour les agriculteurs locaux, c'est une catastrophe. Toute cette région, depuis la frontière jusqu'aux limites du village, était recouverte d'arbres fruitiers, surtout les agrumes. Il y en avait tellement que les branches s'entrelaçaient. Cette région était la première dans l'exportation des agrumes. Sur cette terre, mon père avait planté les arbres en 1952. En 2006, les Israéliens nous ont tout rasé. Maintenant, nous ne pouvons cultiver que des petites plantes, comme des légumes, pour dégager la vue. Quand il y a des tirs, nous essayons de fuir la région. Deux à trois fois par semaine, nous sommes obligés de fuir. Des tirs, il y en a régulièrement. La zone tampon abrite près d'un tiers des terres agricoles de la bande de Gaza. Et certains agriculteurs y ont tous leurs champs. Ces terres sont leur unique moyen de subsistance. Alors malgré le danger, ils doivent y pénétrer pour planter ou récolter. L'armée israélienne peut alors tirer à vue. C'est pour les protéger de ces tirs que les membres de l'ONG internationale Solidarity Movement accompagnent les paysans pendant ces périodes critiques. Les volontaires portent des gilets fluorescents. Ils forment un bouclier humain face aux soldats israéliens. Malgré les annonces, l'armée ouvre le feu. Are you okay? Are you shooting? Okay, no, it's okay. Why are you shooting at us? En mer, c'est le même enfermement. Les pêcheurs n'ont pas le droit d'aller à plus de 5 km de la côte. Mais dans la zone autorisée par les Israéliens, il n'y a presque plus de poissons. Alors, pour survivre, on tente de repousser les limites. Mais les navires de guerre israéliens veillent. À Gaza, tous les pêcheurs ont une histoire à raconter. Aux commandes de son chalutier, Armad Kabadja gagne le large, comme chaque jour depuis qu'il a 14 ans. Dans sa famille, ils sont pêcheurs de père en fils. Tous les membres de l'équipage sont des cousins. Les soldats ont plusieurs fois tiré sur son bateau. Un jour, ils sont même montés à bord.
Un soldat est monté sur mon bateau. Il a coupé un des